Et salut tout le monde les gens, c'est Crypt64 et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens on se retrouve sur Warobot, donc ça fait quand même un petit bout que j'avais pas fait de vidéo de Warobot. Et voilà, ça me tente un peu de recommencer. Et donc aujourd'hui les gens on va parler, voilà, on va parler tout simplement de mon hangar et on va regarder aussi le nouveau robot Bolt ensemble. Donc on va regarder ça ensemble, donc voilà c'est parti. Ok, donc déjà les gens, j'ai eu une grande amélioration, donc je vais un peu vous montrer en fait où est-ce que je suis rendu. Donc voilà, et si ma voix elle change un peu, est différente, voilà c'est un peu normal, donc je suis comme un peu malade, donc voilà. Voilà, petit avertissement comme ça. Ok, donc déjà au niveau de l'or et de l'argent, ça a beaucoup amélioré, donc je suis rendu à quasiment 34 millions. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, j'ai beaucoup joué. Donc ça c'est plutôt cool, je suis content d'avoir autant d'argent que ça, c'est quand même rare que je me rende jusque là. Mais là aussi avec les grosses améliorations, donc voilà. Je me suis également lancé comme vous avez vu dans les grosses améliorations, donc comme vous pouvez voir en haut, j'ai le Mercury qui est en amélioration jusqu'au niveau 8, donc voilà. Pour qu'est-ce qui est du Pursuer, le Pursuer, voilà si j'arrive à vous le montrer. Eh bien le Pursuer, il est rendu niveau 8, donc ça c'est assez incroyable, voilà. Donc il est rendu niveau 8, il va quand même beaucoup, il va très vite. Voilà, donc je vais un peu toutes les mettre niveau vers les niveaux 8, 9. Donc voilà. Les armes, j'ai pas eu de d'amélioration. Par contre, niveau changement, l'over ici, voilà, qui est rendu avec un magnum au lieu d'un shredder. Donc je crois que c'est plus intéressant de mettre le magnum que le shredder en fait, puisque le shredder lockdown pratiquement pas. Donc voilà, j'ai préféré juste mettre un robot totalement énergie qui fait beaucoup de dommages, donc voilà. Ensuite de ça, le Link Store n'a pas changé, donc il est toujours autant fort. Ici on a le voilà le shotgun, la mitrailleuse avec le Avenger, le Mercury. Voilà, ça c'est un robot qui est très fort, donc je vous propose énormément d'essayer ce build là, c'est vraiment très puissant. Ensuite de ça, mon Aichi Shotgun. Et pour finir, le Pursuer Shotgun Lockdown. Donc les deux sont Lockdown. Voilà, j'ai un Corona sur mon Aichi, du coup c'est très utile. Ok, donc pour qu'est-ce qui est des modules, voilà, je joue que des modules boost d'attaque parce que normalement je fais que du free for all. Et mes robots normalement sont corrects, donc j'ai pas vraiment besoin de me rajouter de la vie ou d'avoir un kit d'armure. Donc j'aime mieux utiliser ça comme ça. Voilà, donc voilà. Pour qu'est-ce qui est des modules, voilà. Les gros modules, donc par exemple pour se booster la vie, pour reprendre la vie. Donc voilà, le Pursuer, je joue ça. Je joue ça sur la HE. Lui, je joue un Lockdown en fait. Qu'est-ce qui est très utile, c'est que comme j'ai pas, comme les shredders fonctionnent pas vraiment, ben, je joue les gosses et les Avengers. J'active le Lockdown, je jump, je Lockdown quelqu'un et après ça, je fais juste le Stomp pour ben, le Helldive pour tuer, donc pour faire des kills. C'est énormément fort. Franchement, c'est un robot que j'aime vraiment beaucoup. Après, les modules, il faudrait peut-être que je les upgrade pour qu'ils soient un peu plus forts. Donc voilà, l'Inquisitor, on n'a pas grand chose à dire sur lui, il est vraiment énormément puissant, c'est assez incroyable. Voilà, une puissance de feu vraiment très forte. Avec l'Exodus et les deux orcans, et voilà, je vous avais dit au début, oh, je vais peut-être changer l'Inquisitor pour le Mercury. Finalement, je joue les deux, puisque j'aime bien jouer les Lockdowns, et finalement, l'Inquisitor se trouve à être un excellent robot quand t'as un Exodus et que t'as deux orcans. Voilà, c'est la raison pourquoi je le joue encore. Et sur lui, je joue un Quantum Radar pour pouvoir tuer les Spectres ou d'autres robots, les Pursuer. Voilà, vu que c'est un Damage Master. Voilà, il fait juste beaucoup de damage. Et ensuite de ça, on a le Hover, mon robot énergie, qui est très très utile en fait. Parce que lorsque beaucoup d'Aichi, ben, c'est facile, je sors ça et je les tue toutes. C'est mon robot qui a le plus de vie en ce moment dans mon hangar. Donc, c'est assez intéressant. Lui aussi, je joue le Quantum Radar dessus parce que je crois que c'est intéressant de jouer le Quantum Radar en fait sur le Hover en fait parce que comme c'est mon seul robot énergie, bah je veux vraiment le jouer un max, donc je vais mettre ça et du coup ça me permet de tuer des spectres, ça me permet de tuer plein d'autres robots, donc c'est assez intéressant franchement le Quantum Radar, donc j'aime mieux jouer ça comme ça. Un lockdown et mes deux shotguns, voilà un petit et un plus gros, voilà, qui est très très utile. Ok, alors les gens, déjà, on va parler un peu également de l'événement et tout ça, donc je veux vraiment, voilà, aller là-dessus. Ah oui, également, les modules, les petites affaires pour activer les modules, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, je me ruine pratiquement à faire ça, donc voilà, là j'ai 1223 or, vous voyez, mais j'en avais... en fait, j'en avais 2260, un truc comme ça, et du coup, j'ai full descendu à cause de ça, donc je suis un peu dans la merde. Voilà, mais je suis content quand même d'avoir beaucoup d'or, ça me permet également d'en récupérer si j'en ai besoin. Donc voilà.
Ok, pour le hangar, ça c'est plutôt stylé. Donc voilà pour mon hangar. Ok, donc les gens, on a la loterie Hangbao ici. Juste ici, c'est une loterie de l'événement. Donc c'est plutôt intéressant en fait. Parce que on peut avoir, voilà, tout ça. Voilà, c'est plutôt cool. Et bon, j'ai pas eu de chance, j'ai pas gagné aucun robot, aucune nouvelle arme. Par contre, j'ai gagné, en fait, une fois j'ai gagné 100 pour la Hogwang. Et j'ai également gagné 50 pour la Hogwang, donc j'ai 150 pour la Hogwang. Donc voilà, j'ai récupéré un peu pour la Hogwang. Ce qui est plutôt cool, même si c'est pas mon robot favori entre les trois, voilà, j'aime beaucoup plus la Hojun. Et ben, si même que la Hoken y sort, je risque probablement de garder mon or pour pouvoir m'en acheter un. Donc voilà, ça risque d'être intéressant. Ok, donc les gens, vous savez tous que je suis un grand fan des robots Dash, voilà. Et ben, en fait, il y a un nouveau robot Dash qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, je vais vous montrer, c'est le Bolt. Voilà, vous pouvez aller voir dans la boutique qui est là. Voilà. Donc voilà, j'en ai sur ce compte-là, sur mon compte secondaire. Donc voilà, le Bolt. Mon Bolt est seulement niveau 6, ok, je l'ai pas plus amélioré que ça. Il a 3 armes légères. Et le truc qui est quand même assez cool sur le Bolt, en fait, c'est qu'il possède le dash. Donc lorsque vous commencez à jouer, le robot, en fait, il coûte seulement 1000 or. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je pourrais m'en acheter un second drette là. Mais bon, je vais pas faire ça, hein. Je vais quand même garder mon or. Et donc voilà, le Bolt, en fait, il est super stylé. Il y a un dash, il va à 55 km à l'heure. Et je crois que c'est le robot qui possède le plus long dash. C'est-à-dire que lorsqu'il dash, ça prend quand même du temps avant qu'il arrête de dasher. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et il possède le module, donc ça c'est plutôt cool vu que c'est un robot qui a pas beaucoup de vie. Pas des modules passifs par contre, mais il possède des modules. Par exemple, Quantum Radar, Lockdown Ammo, ou voilà, lui. C'est plutôt intéressant. Donc le Bolt, alors on va regarder ça ensemble. Franchement, le Bolt, je le trouve extraordinaire. Il est vraiment très très stylé. J'aime bien ça. Voilà, moi j'avais vu des images comme ça du Bolt. Voilà. Comme ça. Donc la peinture c'est Fennec. Enfin, mais j'aime beaucoup plus la standard. Donc, voilà, il est très stylé. C'est un petit robot. Lorsqu'on commence à jouer, franchement, ça peut être intéressant en fait. Lorsque vous commencez à jouer. Parce qu'il peut capturer les balises assez facilement. Assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas beaucoup de vie. Il va quand même relativement vite. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Ok, donc voilà. Ok les gens, donc je vous ai montré le bot, je vous ai montré en fait mon hangar. Et du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, on va tout simplement regarder. Je sais pas, on va. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Voilà, ok, on va faire une partie pour se remettre dedans. Voilà, on va faire une petite partie. Voilà, c'est parti. Ok, donc on va faire un free for all. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne. Donc j'essaie de ramasser les trucs dans le triangle Bao pour m'ouvrir d'autres coffres. Donc ça pourrait être intéressant si je pourrais gagner le match. Ok, donc c'est parti. Je sais pas du tout combien je vais finir. Donc on va voir ça également. Ok, on va attendre un peu. Ok, le Kumio il spawn ici. Et l'autre, je sais pas trop c'est quoi. Du coup, on va prendre l'Inquisitor. C'est bon, on a un kill. Ouais, ok, le Griffin il était bien, mais il était pas bien en même temps. Ok. Donc voilà, le premier kill, voilà un petit kill easy. Ah putain, il y a un Lancelot. En fait, le Lancelot il est beaucoup rejoué depuis un certain temps, je n'ai aucune idée pourquoi. Allez savoir, pas du tout pourquoi. Donc là, il y a le. Si je regarde juste Maître Dur dans son bouclier, ce serait excellent. Et je vais tout gaspiller mes balles en fait. Ok, on va. À la limite, on va essayer vraiment de lui faire un max de dommages. Ah, je vais probablement mourir. Ok. Mercury. Let's go, let's go. Ah mon dieu, il est tombé. Puissance, c'est incroyable. Ok, il reste de se faire tuer par l'over. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, donc là, il y en a un robot, un autre over, donc on a deux over. Si je suis capable d'en tuer un, ce serait quand même super.
Et voilà. Tiki Lizzy comme ça fait toujours plaisir. Donc c'est un over aussi, oui. Non, c'est un Raven en fait. On va laisser le. C'est quoi? Un Aichi, on va péter son bouclier en fait. On va essayer de lui faire un max de dommages. Purée. Let's go les gens, ça risque d'être un spectre en fait. Ouais. Non, même pas, c'est un... Ok, je vais probablement mourir. Ouais, ok. Let's go, plus ouais. Voilà. En fait, je prends toutes les kills à longue portée, c'est vraiment hilarant. Merde. Par contre, je peux me faire tuer par le plus ouais. On va essayer de le contourner. Faut savoir qu'en arrière de lui, il y a le... Double kill, et voilà. Je risque de mourir. Ah. Ok, on va prendre l'over. Voilà, je me débrouille plutôt bien. Alors ici, c'est un... Un Kumiyo, d'accord. Ah non, c'est oh non, c'est un autre mais en fait maintenant qu'il est lockdown, voilà. Purée, par contre il me fait un peu chier lui. Je risque de mourir. Ah merde, let's go Aichi. Ok, bon, ok, je vais essayer de contourner les robots. Merde, j'aurais bien voulu faire le kill. Est-ce que c'est pas un Bulgazaris? Ah ok, bien joué mec. Ah, j'étais surpris. Hein. Ah, mais le mec il bougeait juste peu en fait. Juste faire. Si je suis juste capable de le lockdown, ce serait parfait en fait. Voilà, par contre j'ai plus de bouclier. Ça doit être un spectre. Non, c'est un Inquisitor. Ouais, ça fait longtemps, il me semble que j'ai pas vu de... Lockdown. Si je fais un lockdown, ce serait parfait. Ah merde. Ah, il reste de me tuer en fait. Ah merde. Ok, on va retourner avec l'over, on va essayer de faire des kills avec l'over. Oh merde, Lancelot, je veux pas me battre contre le Lancelot, par contre j'ai pas envie de d'engage parce que je reste pour un moment à me faire tuer. Donc j'aime mieux pas engage le... Voilà, l'autre il se fait en fait massacrer, c'est incroyable. Ok, si je vais probablement réussir. Et voilà. Et voilà. Let's go, envole-toi. Merde, j'arrive pas à le... à lui enlever de la vie. Ah.
J'aime bien le Pursuer. Franchement, je crois que c'est un de mes robots favoris. Il est juste trop puissant, en fait. Ah, Mercury. Si je risque de prendre un des deux kills. Voilà. Au début, j'aurais bien aimé prendre les deux, mais bon. Ah, c'est quand même déjà très bien. Ok, un blitz. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Bon, on a le Bulgazari. On va essayer d'aller se cacher. On va faire quelque chose. Peut-être une idée. Déjà, faut essayer de le tuer, hein. Mais il y a un avantage sûrement en ce moment vu qu'il est en hauteur. Et ça, en fait, c'est pas super bien. C'est pas un avantage qu'il aurait fallu. Oh merde, j'arrive pas à passer. Voilà, comme ça, on va reprendre la vie. Non, je veux pas mourir. Non. Voilà, encore le plus souhait. Sauf que cette fois-là, je vous jure, c'est pas moi qui ai choisi le robot, il s'est choisi tout seul. Mais je comptais probablement le reprendre, donc voilà. Ah, quasiment tué le Bulgazari. On va aller rechercher notre kill. Si c'est le Blitz, ce serait peut-être bien de prendre le kill. On regardera ça en temps et lieu. Purée, il est loin en fait. Ah wesh, ok. Le club Letty est là, les gens. Voilà. Pas trop mal ça comme match. Il reste pas beaucoup de temps. Oh, si on se regarde de prendre un autre kill, ce serait pas trop mal. Je crois que c'est encore son blitz. On va attendre un peu avant de reprendre la vie. Parce que sinon je vais avoir gaspillé 20 tokens pour rien. Je crois pas qu'il ait repris le blitz en fait. Ok. Voilà. Première place. Pas trop mal ça comme match, waouh. Voilà un petit match. Ah, j'ai pas réussi à voir toute l'or. Pas très grave, j'ai quand même fait un bon score, je suis content. Voilà. Voilà, donc je suis quasiment division champion en même temps, les gens. Je vais vous montrer ça. Faites bon, ben ça c'était un super de bon match. On est tous contents, j'imagine. Waouh, ok. Non. Je m'en passe. What? C'est quoi ces œufs? Ah wesh, c'est quand même pas mal ça. Voilà, je suis rendu à 34 millions. Ça aussi, c'est pas trop mal, hein. Ok, donc voilà, je vais vous montrer ma division. Pour bien finir sans beauté. Et voilà les gens, pour vous montrer à quel point je suis proche de la division champion. Je dois être quelque part ici. Voilà. Le 46e. C'est pas trop mal. Voilà, j'ai bien hâte de devenir d'être dans la division champion. Waouh, ça risque vraiment d'être quelque chose d'extraordinaire. Ok, donc voilà. Ok, donc.
Les gens, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, sur un petit retour sur Warrobot, voilà une petite vidéo en français. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Comme ça, vous avez pu prendre des nouvelles de mon hangar, en fait, comment je le gère et tout. Et on a pu faire un beau petit combat. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. Donc, voilà. Donc, les gens, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça ferait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc voilà. Donc ciao les gens et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine.